c'est la première fois que Donc, Sony BMG, voilà, c'est là que je suis en tant qu'artiste, mais comment dire? Pour combien de temps? Pour combien de temps? On ne le sait point. Sony BMG est un vrai mystère en ce moment dans l'industrie du disque, et Dieu sait si cela va rester ou pas. On est dans la voiture à Patou, transfert pour Budapest. On peut constater l'ambiance de folie. Waouh! Rodriguez! Et voilà, donc là on va à Roissy pour s'envoler pour Budapest pour finaliser l'enregistrement des cordes pour le futur album. À Buda. On s'est régalé. Eh, Patou, on a tout mangé. C'était bon, eh, pas tout, c'était bon. C'est tout bu, c'est très bon, on a monté dans l'avion, on a dormi. Et là, tu finis ta salade de fruits. Une salade de fruits très très bonne. Bonne, hein? Ouais, c'est vraiment le c'est bon, on est chez Exquis. Oui, c'est Exquis, c'est trop bon. Voilà, Exquis. Bien comme pas aussi. De pub. Venez chez Exquis, jamais. Et voilà, arrivé à Budapest avec Patou et Manu Guerrero et Caroline Petit, que je vous présenterai demain. Un peu crevé, mais c'est tellement beau ici, super chouette, il fait 25 degrés, donc ça va, une température super agréable. On va aller manger un petit bout et puis dodo très tôt ce soir. Alors demain, de belles aventures vous attendent. Pour tous ceux qui sont encore devant l'écran de leur ordinateur, bonne nuit tout le monde, parce qu'on est fatigué, pas tout, c'est fatigué aussi. Ah, je suis très fatigué, d'ailleurs ça doit se voir. Manu? Oui, très très fatigué. On va se coucher. Voilà, dernière petit 100 mètres et on est à l'hôtel. Tous les trois ensemble. Tous les trois ensemble, on va se reposer. Donc à demain, pour être des grands moments demain. Grand moment. Je vais le faire, ça va. Et voilà. On est donc au grand studio de Budapest. On va commencer à aller faire les cordes. Donc je vous tire au jus là dans un petit moment. Et je vais poser une voix sur ce qui reste de ma voix sur une chanson pour que tout l'orchestre puisse partir en même temps. Donc voilà, je suis dans un genre de petit bocal de verre et eux sont de l'autre côté. Voilà, ils sont prêts. Et moi j'ai une voix de belette. Aïe. C'est quoi ton code confidentiel? 337. Oui. Ça crée pas tout. On va aller manger un McDo parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a une heure, donc on va vite manger et on rattaque le truc quoi. Voilà, on rattaque l'histoire tout à l'heure encore. Bienvenue, viens à Budapest. Et donc avec Caroline ça se passe bien, donc pour lui c'est la première fois, il y a des cordes et tout ça, c'est génial.